Bonjour à tous. Coureurs ordinaires de courses extraordinaires, nous vous emmenons sur une nouvelle aventure pour un événement mythique, le Grand Raid des Pyrénées. Le Grand Raid des Pyrénées, c'est une course de montagne qui se déroule sur plusieurs distances, entre 40 et 160 km, pendant 3 jours en 7 fin août. Donc les courses se déroulent au départ de Vielor, dans le département des Hautes-Pyrénées. Pour cette 15e édition, nous avons 5000 coureurs au départ. Et pour cela, nous avons la chance d'avoir 800 bénévoles qui encadrent, ravitaillent, contrôlent le balisage et apportent les ravitaillements. Donc depuis 3 ans, nous avons aussi des courses enfants en 3 distances différentes pour que les plus jeunes puissent faire comme leurs parents et s'imaginer un jour prendre le départ de Grand Raid des Pyrénées. Pour cette 15e édition, le reportage sera centré sur le parcours du Tour des Lacs, 80 km avec 5000 mètres de dénivelé positif. Et pour vous emmener en immersion au cœur de l'événement, nous allons faire comme les autres coureurs. Retirer un dossard et essayer de terminer la course dans les temps impartis, donc de ce parcours technique et exigeant. Serré, pas serré? Donc, comme ça, c'est très bien. Voilà, merci. Bonne course. Et avec le dossard, nous avons eu la surprise d'avoir un t-shirt, mais aussi un pâté, un saucisson, une bière, un cake et un petit sac pour nos déchets et rester écolo. Donc Jérôme, c'est ton premier GRP et ton premier 80. Tu doubles la distance puisque c'est ta plus longue distance. Toi, plus longue, c'était 43 km lors du trail de Volvic. C'est ça. Donc là, tu vas doubler. Comment t'appréhendes justement ce changement de distance? Parce que quand même... je me dis si je suis pas un peu complètement fou, mais non, il faut franchir le cap. Et puis, les Pyrénées, c'est une montagne que j'adore, que je connais assez bien. Donc voilà, c'était une très belle occasion, pas très loin de chez moi, de franchir un vrai cap. Tu peux parler du briefing de course? Oui, tout à l'heure. Les briefings toujours très importants, donc il faut bien s'en imprégner. Les consignes, c'est de la montagne, donc c'est toujours sérieux. Il faut pas traiter par-dessus la jambe, donc c'est important. Du coup, si tu réussis ce défi là cette année, 80 km, tu doubles encore le prochain défi, donc c'est-à-dire 160, tu reviens l'année prochaine. Alors déjà, c'était un challenge avant mes 50 ans. Donc je sais pas, on va déjà voir comment se passe cette course-là. Et puis, ça me tente un peu, mais je me dis 160 en montagne, autour de 10 000 de dénivelé, c'est quand même un sacré challenge. C'en est déjà un beau, mais là, je sais pas si j'en serai capable. On verra ça après. Je peux pas dire non. Maintenant, repos, car le départ de la course se fait demain matin. Samedi 27 août à 5h du mat. Bonne nuit. Allez, il est 4h30, direction le départ. Donc à 5h, dans 30 minutes. Allez, départ prévu dans maintenant une dizaine de 2 minutes. La pression qui monte. Toujours avec la balle.
après 2 km de plat. Donc on attaque la montée au col de Portet. 1500 mètres de D+ pour environ 12-13 km de distance. Bonne tour, super, super. Des vraies pipelettes autour de moi là. Ouais. Et ouais. C'est le stade Montois. Tu me donneras ton pseudo pour YouTube qu'on se retrouve dans la vidéo. Ouais. Marseille Provence Productions. Ah c'est vrai. Oui. Je suis, j'ai liké et tout. Ah ouais. Là. Nous on a vu que tu venais. Je filme que ceux qu'on chie normalement, mais là c'est ça n'a pas l'air de, d'être le cas. Hein. Alors là c'est Team Salomon et Team. Non c'est pas vrai. Oh si c'est vrai. C'est Monde Marsin là, les langues. Ça va, vous les supportez? Ouais, super. Ouais. Oh, je les tire. Bon, moi, tu... Calme, David. Ouais. S'il te plaît. Non, mais voilà, c'est pas une fille facile. Tu me l'as déjà dit, non? Vous le faites à deux, du coup? Et ouais. On se motive? Mais ils font, hein. Voilà. C'est pas mal, hein. Qui tire c'est l'autre, là, actuellement? Ah, pour moi, c'est madame, hein. C'est vrai? Il y a un bon réveil matin. Petit réveil musculaire. C'est ça. Donc c'est comme nous, pas d'objectif chrono. Le but c'est juste de finir. Terminé. Tout à fait, c'est bien. Passer les barrières. La première a l'air un peu tendue, on verra. On commence à passer au-dessus des nuages, ça devient très intéressant. Premier rayon de soleil, on va pouvoir bronzer. Et objectif en vue, le col du Portet, dans 1 km. Ça fait du bien d'en chier. Ben, premier JRP et deuxième trail de ma vie. Eh ben, chapeau. Et tu te lances sur 80 km. Ouais. J'aime pas les petits défis. Après, peu importe le résultat à l'arrivée. Faut finir. Tu as mon respect, franchement. Chapeau de te lancer sur une telle distance pour un deuxième trail. Voilà. Ouais, bravo, franchement. Col du Portet. Un peu de vent, mais ça fait du bien. Nous sommes à 20 minutes de la BH, donc va falloir speeder, mais la mienne n'est pas là, elle est encore dans la montée. Allez la mienne, on est à 15 minutes, 15 minutes pour aller au ravito. 1,5 km. Allez, cette fois, il faut courir. Oh, les beaux t-shirts, les grands raids, on y est en octobre. Là. Ravitaillement dans 400 mètres. Ok, juste devant. Voilà. Et donc après, si tu veux, c'est pour ça. Et Il y a même de la soupe. Rien. Ah oui, alors vous avez... Alors déjà qu'elle a l'impression, elle en met partout. Alors si je filme, c'est pire. Hein. Arrête de la déstabiliser, c'est ma soupe. En plus, merde. C'est bien, ça fait faire des pauses aussi. C'est pour ça que ça va, ça se passe bien? Ah oui, franchement, nickel. Ouais. En plus, le météo est trop cool, donc oui. Franchement, c'est vraiment... C'est que du bonheur pour l'instant. Pourvu que ça dure. Ouais, pourvu que la météo soit comme ça tout le long, et c'est parfait. Ouais, bonne course. Et bonne course.
C'est le lieu de repos idéal. Hein. Ah là, on est bien là. Il manque juste la canne à pêche. Bah, c'est le fil qui va. Voilà. Ça va ? Ça se passe bien ? On y va tranquille. Tranquillement, voilà. Ouais. On profite. Ça va bien se passer. Elle est magnifique l'eau, hein. Une clarté. Nickel. Allez, bon courage. Donc les photos sont disponibles sur Photosport, c'est sur ça? Sur Photosport et au stand dans le centre du village. Super, merci beaucoup. Le terrain commence à être plus technique. Là, on voit la montée, on va là dans le creux. Ça a bien grimpé là. Oula, alors celle-là elle va faire mal. Hein. C'est de l'animation ici, hein. Ah, ça c'est la descente. Félicitations. Ça descend, il y a un ravitaillement. J'en profite et je Ah, bien. Parce que c'est une course extraordinaire. À votre avis, vous allez voir le point de vue, vous allez voir, vous allez comprendre. Vous faites un 360 quand vous êtes ici. Allez, merci. La vue sur le pic du Midi. Ça va, Damien ? Ouais. Regarde, Damien, tu vois ton objectif là-bas, le pic du Midi. Il est juste derrière là. Vous l'avez caché sur la vidéo, on le verra pas trop. On essaye de faire attention parce que la descente est très glissante. Il y a pas mal de rochers lisses et qui sont encore mouillés. Regardez-moi ce chantier. Alors, il faut éviter les cailloux bancals, sauf qu'on ne le voit pas. Donc là, on arrive au refuge. Mais je ne sais plus le nom. Campana. Alors comment il s'appelle ce refuge là ? Campana. Campana. Bouge pas. Faites le plein d'eau. Tu n'as pas fait un reportage ? Si, en 2019. En 2019. Ouais. Je te reconnais. Et un très beau reportage. Ah, c'est gentil, merci. Ouais, ouais. Tu étais avec un copain argentin. Ouais, Ricardo. Ricardo, tu vois que, qu'on connaît. Il est très fort. Hein. Ouais, ouais. Et ça s'est bien passé. Voilà. Vous avez choisi un bon endroit là pour faire le ravitaillement. Oui, hein. Ouais, ouais. Hein, vous êtes bien calé là. Hier on était pour le 160. Aujourd'hui le 80. Aujourd'hui le 80. Voilà. La belle vie là. Hein. Eh oui. Beau temps aujourd'hui. Alors Serge, qui est un grand fan du Grand Raid, hein, à Réunion, oui. Voilà, puisqu'il est réunionnais. Oui, GRP et, aussi, c'est magnifique. Et GRP aussi. Tu as fait le chemin spécialement pour le GRP. Ah oui, spécialement pour venir faire le tour des lacs. Donc on se voit sur le Grand Raid aussi. Ah oui, on se voit. Parce qu'on y sera présent avec Tamia, qui est en pleine forme, là, c'est sa séance d'entraînement. Hein. Ah oui, c'est bien. Là. C'est bien. C'est pour ça qu'on n'a pas pris les bâtons. Ouais. Nous. Ah ouais. Ben oui, ben chez nous là-bas, il n'y a pas de bâton. Pas de bâton. Il y a des lacs de partout. C'est pas pour rien qu'on l'appelle le tour des lacs, hein. On va attaquer la montée pour aller ensuite au ravito La Mongie. Et celle-là a l'air de bien piquer. Encore une fois.
Voilà, nous arrivons au col avant la Mongie. Le problème, c'est que la barrière horaire, ça va être très très compliqué. Je pense pas qu'on la passe. On verra bien. En espérant qu'ils ont, ils ont un peu de souplesse avec les barrières horaires. Ouais. Attention, glissant, surtout au départ. Ça marche, merci. 1,2 km. Allez, 1,2 km ça. Dis-moi que c'est bon. Non ? Ouais ? Voilà. Ah, ça reste. Alors BH, de combien de temps ? De 5 minutes quand même, ouais. 5 minutes ? Alors BH. Voilà. Fin de l'aventure. Une interview en trop sur le sentier. Voilà, après, les BH, je savais qu'elles étaient serrées pour nous. Et la montée... la mienne a vraiment du mal à monter. Moi j'ai eu du mal sur la dernière là. Bon voilà, hein, après c'est comme ça, c'est ainsi va la vie. Et en sprintant dans la descente là pour essayer de passer la BH, je me suis fait la cheville droite. Oula. J'espère que c'est juste une foulure et pas une entorse. Hein. Fin de ce reportage, très écourté. Alors là, nous avons fait un petit bain de pied pour se remettre d'aplomb. Mais au final, on était encore en forme pour continuer. Sauf que ben, on ne peut pas savoir le moment venu, comment ça va se passer après. J'ai peut-être fait trop d'interviews aussi, beaucoup de pertes de temps. Lamia a de grosses difficultés en montée, mais elle a beaucoup progressé. Malheureusement, elle ne verra pas le magnifique panorama du pic du Midi. C'était ma première dans les Pyrénées, j'ai adoré et franchement je vous conseille de faire une des courses proposées par le GRP. À bientôt pour de nouvelles aventures.